Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de déclarer ouverte cette université de rentrée 2024. Alors, on a déjà eu l'occasion de se réunir cette année, c'était à Blois, au mois de mars dernier pour notre congrès. Mais ça fait 12 ans que, fidèlement, au mois de septembre, on se retrouve à Guidel et on a la chance à chaque fois de pouvoir accueillir Monsieur le maire, Joe Daniel. Mignou Netker, Demad Diorol, Donemad, Guidel, Guidel, Couchtermour. Chers amis, bienvenue à tous, bienvenue à Guidel. Guidel sur notre zone littorale. Comme vous, nous avons passé une année tumultueuse. Comme vous, nous allons passer un week-end ici dans la tempête. Mais comme vous, nous restons sereins, confiants dans l'avenir et toujours très mobilisés. Donc du coup, une nouvelle fois, on se réjouit de vous voir venir à Guidel. Je comptais sur mon ami Jean-Michel Jacques qui vient de me dire qu'il ne pouvait pas être là maintenant. Et sans doute aurez-vous l'occasion de rencontrer Fabrice Loher, qui est notre président d'agglomération, dont je suis aussi le vice-président. Alors vous voyez, on a un bon député chez nos voisins de Quimperlé, on a un bon député ici, on a un bon président d'agglo, et on essaye d'avoir un bon maire aussi à Guidel. Bonne université à tout le monde! Au Modem, on est des humanistes et on aime bien mettre en avant les personnalités qui font vivre notre mouvement sur les territoires. Et dans le Morbihan, depuis le printemps, on a la chance d'avoir une nouvelle présidente, Madame Nathalie Yafrat, qui est conseillère municipale à Taupon. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment honorée d'être là, parmi vous, pour vous accueillir ici, alors évidemment, dans notre beau pays. Franchement, vous êtes au paradis. Mais au-delà de ça, et face à tout ce qu'on peut vivre en ce moment, au national, chez nous et ailleurs, je pense que, en tant que présidente, la première chose que je peux vous dire, c'est merci. Parce que sans vous, sans les forces, que ce soit sur le terrain, que ce soit chez nos élus, chez nos ministres, en Europe, partout, on est tous égaux pour aller vers le collectif. Et c'est ça qui compte, le collectif. Donc à un moment donné, quand tout est compliqué, quand on est dans un monde qui est complexe, quand on commence à plus rien comprendre, restons au service du collectif. Merci beaucoup, belle université de rentrée. Elle est conseillère régionale de Bretagne, mais elle est aussi présidente de la délégation L'Europe Ensemble au Parlement européen. Marie-Pierre Védrenne, députée européenne. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle université de rentrée. Tu l'as dit, Louise, c'est la 12e année qu'on se réunit ici pour un temps extrêmement fort, pour bien sûr se retrouver en fait en famille, se retrouver militants, élus locaux, parlementaires, ministres, sénateurs, députés européens, se retrouver entre nous. Mais vous le savez bien et vous êtes, je suppose, interrogés, se retrouver entre nous, mais se retrouver aussi avec d'autres invités. Parce que ce qui caractérise aussi chaque rentrée à Guidel, c'est la soif d'avoir envie de se retrouver en famille, bien évidemment, la soif du débat, la soif de l'engagement et l'envie de débattre avec aussi des gens qui ne pensent pas nécessairement toujours comme nous. Parce que c'est aussi notre caractéristique. Et Guidel, c'est ça. C'est se retrouver, débattre pour trouver des solutions ensemble et apporter des réponses qui sont attendues par les Français et les Françaises. Et c'est ce qu'on va faire pendant ces 3 jours. Donc c'est d'un bonheur et un grand plaisir de vous retrouver chacun, quel que soit votre statut, quelle que soit votre région et votre territoire d'origine, pour pouvoir porter ces solutions auxquelles nous sommes tous attachés. Merci à vous tous de votre présence et merci à tous ceux qui contribuent à cette belle organisation. «
On pourra aussi se souvenir de 2024 comme une année sportive. Et si j'ai bien fait mes devoirs, je crois qu'on a un député qui a été dans l'équipe de France de saut en hauteur, monsieur Erwan Balanant, député de la 8e circonscription du Finistère. Merci Louise, c'était il y a très très longtemps. Mais pas aussi plus longtemps que nos universités de rentrée, ça veut dire que c'était il y a très longtemps. Merci à tous et à toutes d'être là. Cette année, je crois que Maud a souhaité mettre l'accent sur une échéance qui va arriver, c'est l'échéance des élections municipales. Alors on va évidemment parler, et Marie-Pierre, tu as commencé à le faire, on va parler de nos sujets nationaux, mais on va parler des municipales. Et avant de lancer, j'ai envie de dire définitivement, les universités, je voulais juste qu'on ait une petite pensée pour un élu local d'ici qui est décédé cette année, c'est Armel Tonnerre. Armel était, on peut l'applaudir, je crois, très fort. Armel était le premier adjoint de Fabrice Loher. Armel était un de ses lieutenants, un de ses soutiens. Il s'occupait des finances de la ville et c'était quelqu'un de remarquable. J'avais la chance de le croiser souvent sur le chemin de Paris parce qu'il prenait le train et on prenait parfois le train aux mêmes heures et on avait toujours cette envie et cette volonté de discuter du territoire mais aussi de la politique nationale et il nous manque. Juste un autre petit mot, on est dans une configuration particulière, on sort d'une tempête politique, est-ce qu'on en est vraiment sorti, on verra, et on est dans un moment où on a un gouvernement, pas de majorité, encore des interrogations, et donc c'est très bien qu'on se retrouve ici pour en discuter. Puis pour tout simplement aussi porter les valeurs que nous avons, nous, Modem, et que nous avons toujours eues autour de l'environnement, autour de la justice sociale, de la justice fiscale, évidemment, et puis autour aussi d'un certain nombre de valeurs fortes qui sont les valeurs tout simplement de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, et le respect d'un certain nombre d'engagements humanistes qui sont, j'ai l'impression, inscrits dans notre bloc constitutionnel. Et donc il va falloir qu'on, dans ce moment difficile, qu'on arrive aussi à porter cette voix qui a toujours été celle de l'humanisme européen. Et je trouve que l'université arrive au bon moment, après ce début de tempête, parce que je ne suis pas sûr, hélas, que cette tempête soit terminée, on va pouvoir faire un point collectivement. On va avoir des moments d'échange et puis ce moment aussi avec des invités qui ne pensent pas exactement la même chose que nous, mais je suis à peu près sûr que dans les temps qui viennent, quoi qu'il arrive, je crois qu'on aurait aimé pouvoir travailler avec lui et je crois que de toute façon, à un moment ou à un autre, on sera amené à travailler tous ensemble parce que je crois que le pays cherche cette idée d'union nationale. On n'y est pas encore tout à fait. Et effectivement, si on veut l'union nationale, il faut que nous, on fasse notre part pour nous en rapprocher et pour faire notre part à ce travail de concorde. Voilà, on sort des Jeux, c'était un moment magnifique. Et donc maintenant, il faut continuer ce travail politique qu'on a à faire sur le terrain, de discuter avec les gens sans sectarisme et toujours en portant nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. Il est maire de Pau, président du Mouvement démocrate. Merci de bien vouloir accueillir Monsieur François Bayrou.